Alors bonjour, je m'appelle Jérôme Attal et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle année chez les déblogueurs, quoi. C'est vraiment une espèce de web télé qui défonce, quoi. Il y a pas d'autre mot. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Les enfants, je vais vous parler de mon dernier roman qui s'appelle Le voyage près de chez moi. Alors, Le voyage près de chez moi, c'est vraiment une comédie sentimentale vraiment étonnante parce que ça raconte l'histoire d'un déménagement. Le héros, le narrateur de cette histoire, le héros-narrateur, j'ai envie de vous dire, déménage d'une rue sur l'autre. Alors, mon éditeur a trouvé ça tellement ridicule comme situation qu'il m'a dit, mais c'est très romanesque, il faut écrire un roman là-dessus parce que dans le romanesque, il y a vraiment, plutôt dans le ridicule, il y a toujours un peu de romanesque. Alors, c'est l'histoire, c'est une histoire vraiment tendre, trépidante. Le héros est amoureux de sa voisine qu'il n'a pas réussi à aborder depuis 17 ans. Et alors, il essaye tous les stratagèmes pour essayer de la rencontrer. Et il y a un suspense vraiment haletant de page en page. C'est ce qu'on appelle un page-turner, rien à voir avec le peintre, hein, mais c'est simplement une envie comme ça, irrésistible, d'ouvrir les pages. Donc Le voyage près de chez moi, je me rends compte que j'en ai pas vraiment dévoilé la substance, mais je vous laisse la découvrir et vous verrez, vous n'aurez qu'une envie, c'est de continuer à lire des livres, parce que je sais que c'est votre passion principale. J'ai des coups de cœur, mais bien sûr, vous me connaissez. Alors, mon coup de cœur, vraiment, c'est Francis Scott Fitzgerald. Déjà, le fait d'avoir trois noms, trois prénoms, je trouve ça fabuleux. Et puis, Les Heureux et les Damnés, figurez-vous que c'est un de mes livres préférés, et c'est aussi le livre préféré de Kate Moss. C'est mon point commun avec Kate Moss. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire? Eh bien, que Kate Moss lit autre chose que Vanity Fair ou que Vogue. Et elle lit Les Heureux et les Damnés. Alors, vraiment, c'est un livre que je vous recommande et qui est aussi conseillé par Kate Moss. Francis Scott Fitzgerald, une valeur sûre, l'adolescence, l'amour impossible, l'amour qui dure toujours, la singularité de l'âme, enfin c'est magnifique. J'ai aussi Jane Austen qui est un deuxième coup de cœur parce que Jane Austen est la fille cachée de Steve Austen. Oui, je me suis dit que des révélations chez les déblogueurs, c'était vraiment le lieu pour. Et puis Breakfast at Tiffany's. Pas tant pour Truman Capote, dont je préfère La traversée de l'été, qui est un court roman magnifique, magnifique, que je vous conseille, mais plutôt pour Audrey Hepburn, parce qu'elle est sublime, et puis George Peppard aussi à côté, et le film qui est magnifique, et à la fin, la scène d'anthologie où elle lui fait « Oui, je vais m'enfuir, l'amour, non, ce n'est pas pour moi, je n'appartiens à personne », et lui, il fait « Mais si, je suis amoureux de toi, donc tu m'appartiens ». Voilà, c'est romantique, c'est splendide, ça se passe sous la pluie, il y a un chat roux qui cavale. Je vous recommande ce film de Black Edwards, Breakfast at Tiffany's. Voilà, je vous embrasse.